Pour l'instant, tu as 2 sur 2, Ariel. Est-ce que tu auras le troisième point? On accueille la troisième personne maintenant. Est-ce que mon troisième membre de la famille est bien installé? Je vais vérifier. C'est bon, tu peux te retourner. Femme pour toi, Ariel? Cette femme. Ah, franchement. Wow, vous avez fait fort. Hein. Bravo, saut privé. Non, cette femme, c'est à cette femme que la Côte d'Ivoire doit Ariel Chéné, en fait. Ouais. Voilà. C'est ma lionne. C'est elle qui m'a donné la force d'avancer dans la vie. Donc franchement, c'est mon Dieu sur terre, donc il n'y a rien à dire. Bonsoir maman. Qu'est-ce que ça te fait maman d'être ici en face de ton fils? Je suis très très émue. Je salue tout le public. Maman, merci beaucoup. Me donner cette opportunité de parler un peu de mon fils. Voilà, je suis très émue, très contente. Et moi j'ai envie de te dire merci beaucoup maman. Merci d'avoir accepté de venir, d'avoir accepté de jouer le jeu et surtout merci de nous avoir donné Ariel Chéné. Merci pour ce talent, merci pour ce grand artiste. Merci à Dieu. Alors maman, on va parler un peu, on va venir, on va se mettre ici. Alors on est dans le show privé, on passe un bon moment en famille et on ne pouvait pas faire cette émission sans maman. Et puisque maman est là, il faut bien qu'on sache des choses que peut-être tonton a oublié. Alors maman, Ariel Chéné, c'est qui à part l'artiste pour toi? Chéné, c'est mon bébé. C'est vrai qu'il a grandi, il ne veut pas que je l'appelle bébé, mais c'est un merveilleux enfant que Dieu m'a donné. En ce sens que, voilà, un enfant, sa grossesse ne m'a pas fatiguée, sa naissance, pareil. Et son évolution aussi. Mais il faut dire que il était turbulent quand même. Ah ouais? Un enfant turbulent, taquinait ses sœurs. Et puis, voilà, il a une cicatrice là. Je voudrais que vous voyez ça. Elle est où la cicatrice? Bon, parlons de la cicatrice. Elle est là. Elle est là. Voilà. D'accord. Un enfant de 2 à 3 ans, je le lave propre. Je vais au marché à mon retour, ouais, mon bébé, on dit il est parti à l'hôpital. Mais comment? Il est allé jouer chez les voisins, il a attrapé la poignée de la porte. Il faisait apprenti baka. Et l'enfant là. Et c'est comme ça qu'il s'est blessé, il s'est retrouvé à l'hôpital. Donc, un merveilleux enfant, parlant de la musique.
Il a la musique dans le sang, je peux le dire. C'est-à-dire, tout bébé, dès le berceau, quand tu dois le laver, il faut chanter. Quand il doit manger, il faut chanter. Tu ne chantes pas, il pleure. C'était du sport aussi. Hein? Vraiment. Si bien que j'avais des petits chants pour lui, pour tout. Ariel, viens, pardon. Viens. Je dis poutou là. On va chanter un peu. Maman, on va faire une chose. Ariel Chenet va interpréter sa chanson. Écoutez, c'est la chanson qu'il a versée. Hein? Ariel, donne-moi un truc là. Ah poutou. Ah poutou. Ah poutou. Ah poutou. Pour tout manger. Non mais, Ariel, ça s'inspire quand même. Vise. Encore le poutou. Merci, les gars, merci. Vous là. C'est Zo. Merci beaucoup, maman. Mais je dis, Ariel, tu vas pas faire un son avec ça. Poutou, ça peut donner, non? Ou bien? Le poutou, là, je l'appelais Bijou. Et c'est sa sœur, sa grande sœur Golda. Comme elle avait juste 2 ans. Quand moi je dis Bijou, elle dit Poutou. Donc nous tous, on a adopté Poutou. Et ça a donné la chanson à Poutou. Qui sera bientôt disponible sur le prochain album de Ariel Chenet. C'est une prophétie. Bon, apprêtez-vous, le nouveau concept, c'est le Poutou. C'est le Poutou. Alors aujourd'hui, maman, c'est un grand garçon maintenant. Oui. C'est un artiste. Et on sait que le métier d'artiste n'est pas du tout facile. Il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de méchanceté, beaucoup de critiques. Comment est-ce que la famille gère tout ça? Comment est-ce que la maman gère tout ça? Il faut dire que c'est vraiment pas facile, comme tu viens de le dire. Mais on prend ça avec la foi. On prie beaucoup pour lui. Parce que nous, tout est basé sur la parole de Dieu. On prie pour lui, pour que lui-même, là, il puisse accepter toutes ces méchancetés qui sont dites sur lui, qu'il les accepte, qu'il puisse les gérer à sa manière. Et c'est ce qu'on a fait jusque-là. C'est vraiment pas facile. On rappelle que Ariel est fils de pasteur, donc une famille très pieuse, une famille qui prie beaucoup et qui remet tout ce qu'elle a de plus cher à Dieu. Oui. Aujourd'hui, malgré toutes ces difficultés, Ariel est ce qu'il est aujourd'hui. Hein? Oui. C'est une star. C'est ça. C'est un ambassadeur. Ah, oui. Comment est-ce que maman voit ça? Qu'est-ce que ça fait à maman de voir qu'aujourd'hui, Apoutou, ici présent, est une star interplanétaire? Vraiment, je suis émerveillée. Il me fascine. C'est par ses tests, quand il écrit, surtout les vers, je me demande, mais comment il arrive à coordonner tout ça, c'est-à-dire dans mon quartier, mon Tieka, et tout ça, tous ces vers-là me fascinent. Et puis, voilà un enfant qui n'a pas fait d'école de musique. Il a appris sur le tas tous ces instruments auxquels il joue là. C'est sur le tas. Et je suis vraiment fière de lui. Fière de lui. C'est vrai que je ne voulais pas que mon fils soit artiste musicien. Justement. Mais il a choisi la voie que Dieu a tracée pour lui. Voilà, c'est Dieu qui trace les sillons pour nous. Et il a suivi cette voie-là. Et aujourd'hui, je suis fière de lui. C'est beau. Ariel, j'imagine que tu as quelque chose à dire à maman. Moi, si je veux trop parler, c'est pas bon. Il est tout ému. Ouais, franchement, c'est ma première fois de me retrouver comme ça. Sur un plateau télé, c'est la première fois. Exactement. Et j'ai pas trop de mots. Je suis trop content de voir ma maman m'accompagner dans ce que je fais. C'est déjà ça. Et puis bon, voilà. C'est très important. J'ai pas les mots. Maman, on va te raccompagner. Mais avant, quels sont tes 3 vœux pour
ton fils, Ariel? Mes trois vœux les plus chers et sincères à mon cœur. Il a été consacré à Dieu dès sa naissance. Donc je souhaiterais qu'il serve le Seigneur. C'est vrai, la musique, c'est son métier, mais qu'il ne perde pas de vue l'œuvre du Seigneur à laquelle on l'a consacré. Le deuxième vœu, c'est qu'il prospère dans sa carrière, que Dieu l'inspire davantage, parce que les inspirations viennent de Dieu. La musique même là vient de Dieu. Et c'est cette musique, c'est elle qu'on va pratiquer au ciel. Tout cessera sur cette terre. Quand on va arriver au ciel, c'est la musique. Donc moi, je me dis, pour ceux qui ont choisi même la musique là, ils ont choisi la meilleure part. Hein. Donc qu'ils chantent Dieu, qu'ils œuvrent pour Dieu et que Dieu le bénisse dans sa carrière. Merci beaucoup, maman. Je crois qu'avec ces mots, c'est clair que Ariel, tu vas décrocher les étoiles, tu vas aller très très loin. Rapidement même. Rapidement. Ouais. Merci beaucoup, maman. On va te raccompagner avec des applaudissements encore.